Bonjour, bienvenue sur le média youtube sur On va parler d'une marque dont on a déjà parlé sur la chaîne, on a fait un reportage, Sonus Faber. Et là, ça va être assez particulier, c'est la première fois que cette marque, vous voyez un petit peu ici, Sonus Faber, marque italienne connue euh, connue de toutes parts, c'est la première fois que cette marque va lancer des enceintes bibliothèques. On va aller les voir, elles s'appellent les Duetto, Et croyez-moi, tout le monde dans l'équipe a déjà craqué, même avant de nous faire la vidéo on oh qu'elles sont bien. Ben, vous allez voir comment elles sont bien. Et vous allez voir en même temps que c'est un produit étonnant et c'est rare, c'est rare de trouver comme ça un produit stéréo qui ait ce type de performance, de caractéristiques et autres. Voici d'abord le carton des Dueto, on va faire un petit clap, on va donc les déballer, vous allez voir, elles sont toutes aussi belles que les Big One. Vous en voyez ici justement, Nicolas peut montrer un petit peu les enceintes Sonus Faber. Vous avez le reportage sur la chaîne si vous voulez, ce sera peut-être en lien d'ailleurs que Nicolas mettra. C'est vraiment une marque étonnante, mais on ne vous pas à ce que cette marque étonnante balance cette chose-là. Et c'est là où est la surprise. Surprise du chef, vous allez voir. Bon, je préfère mettre, vous mettre à l'aise sur quelque chose, parce qu'on se connaît maintenant. On va mettre à l'aise un petit peu sur, euh, sur la notion de tarif, parce que ce sont des produits. Enfin, le duo d'enceinte, le duo de Duetto, coûte 3 999 euros. Vous allez voir, je pense que ça les vaut jusqu'à dedans, la finition, une inspiration qui est très italienne, très classe et stylée. Alors, est-ce que c'est pas parmi les plus beaux produits que vous avez vu dans les grands déballages comme les duettos de Sonus Faber Alors d'abord, petit tour de propriétaire. Pour les gens qui connaissent Sonus Faber, vous serez pas dépaysés. Regardez ce design de folie avec toujours cette forme qui est ici, qui représente un, qui représente un lutte. C'est depuis le début, ils sont parce qu'on est allé les voir, n'oubliez hein, pas, ils ont dit voilà, on met vraiment un soin gigantesque à ce que nos enceintes aient l'air de quelque chose, et vraiment c'est le cas de le dire puisque en plus, vous verrez tout à l'heure dans la vidéo, euh, si Nicolas peut venir ici, vous avez des bandes lumineuses qui sont également sur euh, sur la plupart des enceintes dites intelligentes chez Sonus Faber. Je vous encourage à aller sur la chaîne voir les, les grands déballages et ces bandes permettent de savoir également quel est le niveau audio, on peut gérer des choses ici, des entrées avec les bandes lumineuses. Ce n'est pas que décoratif, il y a également des fonctions qu'on peut gérer à la main et c'est très 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 beau. Alors le produit qui est devant vous, un coffrage en bois véritable Sonus Faber Oblige et bien sûr comme je le répète, c'est une réduction de tête des grands modèles, ça qui est important, c'est une réduction de tête intelligente pour avoir Enfin, messieurs, dames, tremblez avec moi, un système réellement d'enceinte stéréo avec de la qualité et tout ça en 2023. Donc connecté, vous allez voir en plus, il y a carrément un port HDMI et tout le truc. Ils sont vraiment partis à fond. Ils se sont dit, les gars, bah, quitte à le faire, vu le tarif, on y va, on fout la gomme. Alors les haut-parleurs qui sont dessus, regardez un petit peu. Vous avez un haut-parleur qui est ici, qui n'est pas uniquement un haut-parleur de grave, c'est grave et médium, 12,7 cm. Attention, il y a une charge qu'on appelle basse réflexe derrière. Donc en effet, il y a le basse réflexe, 37 Hz. Ça commence à 37 Hz pour ce produit-là. Et comme il y a un petit twitter à dôme en soie qui est ici, le relais se fait à 1900 Hz. Donc, de 37 Hz à 1900 Hz, c'est le big one, là qui fait les deux, grave, médium, et hop, relais ici. Directement, Alors, le truc important, c'est que quand même, avant que je vous parle des connexions, de l'HDMI-ARC, la l'amplification, amplificateur A, B, avec de la puissance, hein, croyez-le bien, 100 watts sur le tweeter, ils en vont euh, carrément, 100 watts sur le tweeter, et 250 watts sur le grave, médium. C'est-à-dire que là, vous êtes devant moi, Nico est là aussi, si j'envoie la sauce au maximum, vous prenez 700 watts dans la tête. Avec en plus derrière la charge basse réflexe, quelque chose qui est en bois véritable, qui n'a pas vibré de tous les côtés, qui a vraiment une qualité de fabrication et électronique absolument dingue. Ça c'est vraiment un truc haut de gamme. C'est pour ça que le prix va avec. Malheureusement pour vous. Alors truc important, bande passante de 37 à 30 000 Hz. Donc en effet on va très loin sur la plage, avec une pression sonore de 105 dB. Bon, accrochez un peu, si vous avez des gosses éloignés, on ne sait jamais ce qui peut se passer, vous savez, en bibliothèque, mais de toute façon, on y va. Donc, les duétaux sont super bien, déjà de ce côté-là. Le mode de travail. Alors, vous dites, voilà, si jamais j'achète ce type de produit, qu'est-ce que j'en fais Comment je le fais Alors, premier truc à savoir, déjà un smartphone. Par exemple, elles sont apérables en Bluetooth. Moi, j'étais là, mais carrément les modèles avec euh, carrément le Bluetooth. Attention, Bluetooth SBC, AAC, aptX, aptX HD. Donc les codecs audio parmi les plus évolués du Bluetooth, on peut donc apérer un smartphone sans aucun problème. Sinon, appairage filaire avec un port Ethernet. Donc euh, en réseau, vous mettez en filaire, a pas de problème. Ou bien en Wi-Fi, même chose, réseau. Oh, tout fait tomber. Sinon, en Wi-Fi, même chose, réseau et tout, comme ça vous avez les enceintes directement mis sur tout votre réseau. Alors, les compatibilités, c'est intéressant. Airplay 2, à bord, ça va être pratique. Chromecast, Spotify Connect, Tidal avec Roon. Alors, Roon, vous avez la vidéo sur la chaîne qui vous explique ce que c'est, parce que avant qu'on fasse la vidéo, même nous, on n'avait pas compris. Donc, vous avez la vidéo qui va apparaître en lien, et qui vous explique pourquoi, comment ça fonctionne bien et tout, du côté de Sony's Faber. Donc, regardez un petit peu le produit, c'est tout à fait inhabituel. C'est vraiment le produit hi stéréo moderne connecté avec en plus un port HDMI ARC et iArc. E Mais pourquoi Parce qu'en général, ce sont un téléviseur, le son n'est quand même pas olé olé, donc on peut se faire sortir le son du téléviseur et l'envoyer directement avec la HDMI ARC du téléviseur vers ses enceintes. Donc c'est intéressant, comme c'est iArc, e en plus, on peut envoyer des signaux avec un plein débit de tous les côtés. Donc ça peut être le son du téléviseur avec la HDMI carrément et vous avez. C'est plus cher que la télé, en général, plus cher que la télé, quand même, quelque part. Donc, moi, je suis content de faire ce grand déballage parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a ce type de produit. Et également, pour faire joujou. Avec, euh, avec les Duetto, vous avez une petite télécommande, très très sympa. Il faut savoir que euh, ce produit est quand même rarissime. C'est-à-dire que moi, je ne pensais vraiment pas que euh, SonusWeber allait balancer comme ça un système stéréophonique ultra connecté tous les côtés avec HDMI, avec la mise en réseau, avec euh, tout ce qui va bien avec. Donc en effet, même le Bluetooth APTX HD. Donc c'est vraiment euh, un produit que j'aime. Voilà, je vous le dis franchement, on l'a un petit peu écouté, on était un petit peu à la renverse, mais ça, ça sera peut-être dans le, dans, dans le vlog de son vidéo.com Dans tous les cas, c'était super cool de vous présenter ses produits à pas cher. C'est mon truc, vous savez très bien que moi, en dessous de 4000 euros, en général, je me déplace pas. <laughs> Voilà, c'était donc le grand déballage des Sonus Faber Duetto, un produit exceptionnel s'il en est. Dans tous les cas, c'est super que Sonus Faber ait balancé un produit comme ça. Quand on avait visité justement les usines et l'entreprise en Italie, nous n'avait pas parlé de ça et c'est très très bien parce qu'en même temps, vous avez des petites enceintes et là, c'est des grosses enceintes qui sont carrément parfaitement actuelles. Parce que je vous répète à chaque fois dans ces grands déballages, ce qui m'intéresse en faisant ça, c'est de, de prouver quelque part que la Hi-Fi existe, certes, mais qu'elle peut être parfaitement moderne. Donc là, on a vraiment la totale hein, entre la HDMI, et la PTI. XHD dans Bluetooth et autres, la mise en réseau Tidal et autres, c'est un produit parfaitement actuel, qui coûte cher, certes. Mais vous savez ce que vous achetez. Regardez, sont pas belles, quand même, avec le luth ici et l'écho dans ma voix, c'est pas beau, ça. franchement. Allez à très vite sur Medio.com pour d'autres vibrations peut-être un peu moins chères, ou pas.